Ami conservateur, qui lâche des skins en défilé odieux, clamant devant le cirque romanès, mort aux gitans. Qui fait crotter ton chien devant leur caravane, que crois-tu faire et que fais-tu? Défendre ton territoire? Allons bon. Au bas de l'avenue de la Grande Armée, vit-on jamais autre chose que le rien circulant autour du rond-point de la porte Maillot? As-tu pétitionné contre le cul blanc des lapins qui y vivent? Le square Parodi est-il moins vert, ses allées moins sablées, depuis que le panneau qui t'insupporte, Romanès, cirque tzigane, s'est planté discrètement derrière ses grilles, derrière les frondaisons encore vertes à l'automne des platanes égrenées en cadence au long de tes trottoirs? Le cirque ne se voit pas, et pour cause. Toutes les caravanes ont été repeintes en vert. Alexandre voulait même que le chapiteau du cirque le devienne, pour se fondre un peu plus dans le paysage en arrière-plan. Ami conservateur, qui te précipite au Grand Palais y admirer Toulouse-Lautrec, et feuillette avec une émotion très pure tes pléiades du sieur Rimbaud et de François Villon, qui crois-tu donc qui te contemple du haut du chapiteau rouge brique? Ce sont les mêmes gens et les mêmes poètes. Les Romanès font du cirque en famille, avec les extensions de la famille qui sont tous des gens très bien. Il faut entendre Delia, accablée, assumant toutes les tâches en jongleuse, administration, diffusion, communication, et quand on lui demande pourquoi ses filles ne l'aident pas, elle ouvre un œil sur des merveilles qui ne sont pas de ce monde et répond « Hé, mes filles, ce sont des fées. » On le voit bien ce qu'il y a d'insupportable dans la chevelure d'Alexandra qui lui descend jusqu'aux hanches et les épaules de Rosa. Elle parle de la possibilité qu'il soit joyeux et immédiat d'être un corps, et de la trépidation qui vous prend, des mollets à la taille, et de nuits pleines de flammes que l'aube n'éteint pas. Elles sont irréductibles, il est vrai, ces épaules, mais non pas menaçantes. Il faut un peu laisser les romanesques tranquilles, fabriquer leurs numéros de rêve et de magie. La menace, ami conservateur, viendra pour toi d'ailleurs, de tout ce que tu laisses confie dans ton bon droit et dans tes Timberlands. Pas de ces artistes-là qui ont leur trapèze pour voler hors d'atteinte. Cesse donc de redouter en vain et laisse tes enfants t'amener jusqu'au cirque.